Le processus de fabrication du ciment nécessite des quantités d'énergie thermique importantes qui sont apportées par différents combustibles. Historiquement, les combustibles qui sont utilisés sont d'origine fossile, par exemple le charbon ou des dérivés du pétrole. Dans le cadre de notre trajectoire pour réduire l'impact carbone, le groupe Vicat en France a fixé comme objectif d'éliminer toute utilisation de combustibles fossiles en les remplaçant par des combustibles produits localement à partir de l'économie circulaire. À Montel-du-Versieux, le développement de la collecte et du recyclage des déchets au cours des 20 dernières années permet déjà aujourd'hui de substituer les trois quarts de l'énergie nécessaire. Si cette substitution a l'avantage de réduire notre impact CO2, elle a aussi l'inconvénient d'apporter de plus en plus de chlore. Il convient donc de le retirer. Nous faisons cela grâce à un système de bypass qui génère donc des poussières chlorées que nous appelons poussières four. La solution développée par l'entreprise britannique Carbonate Systems nous permet de trouver un nouvel exutoire pour ces poussières four via son dispositif de conteneur. La proposition de la société Carbonate Systems nous a immédiatement enthousiasmés. Avec la technologie conteneur, Vicat fait d'une pierre deux coups. À la cimenterie de Montalieu-Versieux, nous sommes ainsi capables de valoriser les poussières chlorées et une partie du CO2 émis lors de la production du ciment pour les transformer en un nouveau matériau de construction. C'est une première au niveau européen. Et si les tests sont concluants dans les mois qui viennent, nous envisageons de déployer cette technologie sur d'autres sites Vicat en France et à l'international. Vous voyez derrière moi l'installation pilote qui a été inventée et conçue par la société anglaise Carbonate Systems. Elle permet de valoriser les poussières de four de cimenterie en granulats légers. Ces poussières sont mélangées à de l'eau et à du dioxyde de carbone qui est lui-même prélevé dans les gaz de la cimenterie. Ces granulats ont la particularité d'être légers. Ils ont une densité près de deux fois inférieure à des granulats naturels qu'on va retrouver dans du béton et ont la capacité d'absorber jusqu'à 30% de leur poids en CO2. Nous sommes actuellement en train de caractériser ces granulats dans les laboratoires internes de Vicat et Sigma Béton et avons lancé une étude de formulation de béton de blocs.